Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouveau tuto. Aujourd'hui, on va transformer cette photo-là, cette image, on va la rendre dessin. Je vous montre déjà le résultat. Donc ça, c'est la photo d'origine. Et voilà l'effet. Donc, elle est devenue dessin. On va faire ça ensemble. C'est un tuto facile. Je vous montre comment faire en quelques clics. Là, on revient sur notre photo d'origine. On va ici, on clique sur notre calque et on va appuyer sur la touche CTRL ou bien COMMAND et J en même temps. Et on va dupliquer. Voilà. Là, je vais renommer le calque. Je vais écrire dessin. Donc, on appuie sur dessin et on va dans images, réglages, négatif. Voilà. Une fois, il est négatif. On va dans le mode, là où c'est écrit normal, on clique. Et on va dans densité couleur moins. Là, tout est devenu blanc. On va appliquer un effet sur le blanc là pour retrouver les traits du visage de notre personnage. Cet effet là, bien sûr, c'est toujours sélectionné ici. C'est le flou gaussien. Donc on va dans filtre, flou, flou gaussien, tout simplement. Là où vous voyez les rayons, on va augmenter le nombre de pixels pour pouvoir faire apparaître les traits. Voilà. Faut pas que ça soit très exagéré. Ben je pense que voilà. Là, je dirais c'est pas mal du tout. Voilà. 35. Allez, on va mettre 35. Voilà. Une fois c'est fait, on va appliquer ici un effet. Donc, on va cliquer sur cette icône-là et on va dans Niveau pour faire apparaître un peu les ombres et tout. Donc, voilà. Je clique sur ce curseur ici et je glisse à droite et voilà, donc je fais apparaître l'ombre et les traits noirs. Voilà, je trouve que c'est assez bien. On peut évidemment à tout moment refaire et réparer un peu, corriger. Et voilà, là l'étape suivante, donc on est toujours sur notre filtre pour notre calque dessin. On va ici dans la même icône, on clique dessus et on va prendre noir et blanc. Voilà, noir et blanc. Là, donc il y a les paramètres, on peut jouer avec les couleurs un tout petit peu, donc, et modifier selon nos choix. Là, ça fait un peu crayon. J'aime bien. Voilà. Voilà, voilà, chers amis, donc pour faire apparaître l'arrière-plan, enfin la photo d'origine, il faut appuyer sur Alt et on clique sur l'œil ici pour voir avant et après, donc un clic. Voilà, voilà, les amis, j'espère que vous avez aimé ce petit tuto facile et j'espère que vous allez laisser un pouce bleu et vous abonner si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez toujours me dire dans les commentaires si ça a marché pour vous. Je vous dis merci pour votre attention et à très bientôt dans un autre nouveau tuto. Au revoir.